po' di tempo fa c'era in Francia una trasmissione di libri, la più famosa trasmissione di libri di, che si chiamava Apostrophe, forse qualcuno se ne ricorda, che era animata da Bernard Pivot. Bernard Pivot ogni tanto faceva questa cosa incredibile di dire, presentava dei libri tutte le settimane, quindi è durata 15 anni, credo, quindi, però ogni tanto diceva: guardate, questo libro veramente ve lo consiglio e se non vi piace ve lo rimborso. Ecco, credo che il libro di Maëlys de Kerangal, Riparare i viventi, sia uno di questi libri che personalmente mi sento di consigliare andando sul sicuro, e come ho fatto, come ho consigliato a tante persone, per cui ne ho anche scritto, eccetera. Perché è un romanzo molto bello, intenso, forte, che è scritto benissimo e che in realtà dice anche molto di più della sua storia. Nel senso, già la storia è una storia complessa, come si diceva prima, è la storia di un trapianto, è la storia di un viaggio, di una migrazione, come dice la stessa Maëlys, dal cuore, dal corpo di Simon, che muore all'inizio del romanzo, in un incidente d'auto, al corpo di Claire alla fine del romanzo, 24 ore dopo, quando questo cuore ricomincia a battere nel corpo di un'altra persona. Quindi è una storia, una prodezza tecnico-scientifica, la storia di un trapianto in tutte le sue tappe, con tutti i personaggi che entrano in scena su questa, in questa storia molto, molto compatta. Ci sono naturalmente i genitori di Simon, la sua fidanzata, ci sono i medici che devono decretare la morte, che devono decidere quando qualcuno è veramente morto e quindi si può domandare l'espianto degli organi, ci sono i medici, le infermiere, gli specialisti che devono parlare con i genitori cercando di convincerli a accettare il dono degli organi, poi ci sono i medici che fanno l'espianto, quelli che fanno il trapianto, insomma c'è tutta una serie di personaggi, ognuno dei quali naturalmente ha il proprio vissuto, le proprie storie, mentre fa quello che deve fare, il suo lavoro, ha alle spalle le proprie relazioni, le proprie preoccupazioni, le frustrazioni, eccetera. Quindi c'è questa storia, ma al di là di questa storia, io credo, e l'ho anche detto a Maëlys, poi magari ne parleremo, credo che questa vicenda abbia un valore simbolico che va al di là della storia stessa, cioè questa idea del riparare i viventi, del far ripartire il corpo di un altro, di trasformare, passare da un corpo individuale a un corpo collettivo, credo che ci dica qualcosa sulla nostra società e, sui desideri e i bisogni che abbiamo oggi nei confronti della società. Quindi di fronte a un mondo in crisi, in difficoltà, noi in Francia, in Italia, insomma, voglio dire, nel mondo occidentale, in Europa, quest'idea che sarebbe bello avere un cuore nuovo per far ripartire la macchina, credo che ci dica molte cose. Ecco, quindi, e nello stesso tempo questa stessa costruzione di un romanzo appunto concentrato con questa migrazione, secondo me è anche un, e anche questo l'ho già detto a Maëlys e penso che ne parleremo adesso, è anche un altro modo di riscrivere in altra maniera naturalmente Nascita di un ponte, perché anche qui c'è un ponte ideale, ecco, insomma, c'è un po' questi due romanzi che in realtà sono molto diversi, appunto, uno molto tecnico, ingegneristico, eccetera, l'altro molto più umano, perché denso di emozioni, anche perché dietro la macchina della medicina, le scelte della scienza, ci sono in questo romanzo, Riparare i viventi, le emozioni, le sensazioni, il dolore, la sofferenza, la tristezza delle persone, la difficoltà di parlare, quindi c'è tutto questo. Sono due romanzi molto diversi, ma in qualche modo che si avvicinano. E mi fermo qui perché non vale la pena che io dica molto di più, e cedo subito la parola a Maëlys, direi partendo proprio da questo. Perché il cuore, no? L'idea costruire un romanzo attorno al cuore. Naturalmente c'è l'idea del trapianto, ma al centro c'è il cuore. Che cosa rappresenta questo cuore, no? Che qualche cosa che sta appunto tra la scienza, è un muscolo con le sue caratteristiche fisiche, e però poi anche simbolicamente il luogo degli affetti, il luogo delle emozioni, il luogo. A un certo momento tu usi il romanzo La scatola nera delle emozioni, se non mi ricordo male, qualcosa del genere. Ecco, allora perché hai scelto di costruire tutto un libro intorno a questo cuore? Partiamo da qui, cioè, è uno dei tanti modi per cominciare. Alors pourquoi le cœur? Alors c'est vrai que le
que le cœur, je l'ai saisi tout de suite dans sa double dimension. Et je pense même qu'il n'y aurait pas vraiment pu avoir de fiction si le cœur ne m'était pas apparu dans sa double dimension, c'est-à-dire, comme Fabio vient de le préciser, dans une dimension organique, musculaire, physique, un muscle, cette espèce de moteur de notre corps, et puis cette dimension symbolique qui s'est sédimentée au fil des siècles, qui s'est sédimentée dans notre culture, qui est la dimension de l'amour, de l'affectif, c'est-à-dire que progressivement, le cœur de l'homme est devenu le lieu de l'amour dans son corps. Hein. C'est une espèce de topos comme ça qui regarde vers les affections, qui regarde vers la sensibilité. Et ça, c'est vraiment venu parce que le mot cœur a une espèce de destin incroyable dans notre langage, c'est-à-dire que les occurrences du mot cœur, elles sont partout, je pense qu'elles sont également en italien aussi, et elles regardent toujours le courage et l'amour, et cette espèce d'hyperprésence du mot cœur dans notre langage m'a évidemment attiré à focaliser mon attention sur cet organe plutôt que sur un autre organe. Et je trouve aussi que dans l'idée du cœur, il y a aussi l'idée d'une forme de centre. Il y a quelque chose de l'ordre de la centralité. Enfin, l'idée que qu'est-ce qui fait centre en nous, c'est peut-être justement le cœur qui nous anime et qui fait que l'on est des hommes, en fait, hein, dans le sens de avoir du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du cœur ? Et je crois que le fait d'avoir... commencer le livre dans cette vague, et puis après d'avoir bien essayé de déplier l'histoire qu'à un moment le corps humain se décentre et finalement ce n'est plus le cœur qui est le roi du corps et qui atteste de la vie ou de la mort d'un corps humain, mais ça devient le cerveau. Il y a une espèce de chute là, épistémologique le cœur finalement est un peu détrôné, mais pour moi il reste une forme de centre. Et Fabio a raison dans la mesure où cette histoire de boîte noire, pour moi, elle dit beaucoup, parce que la boîte noire, c'est l'espèce de bande d'enregistrement un peu des affects. Hein. Donc ça veut dire d'emblée que pour moi, le cœur est comme un contenant. Hein. Ce n'est pas justement un organe plein, c'est une espèce de boîte qui se remplit, et qui se remplit évidemment dans mon imaginaire de fiction, d'histoire, possiblement d'histoire d'amour. Et en fait, je l'ai immédiatement vu, voilà, comme cette espèce d'archive sensible que l'on porte en nous. Et ça, pour moi, ça a été une espèce d'appel, de désir de fiction immédiatement. Ecco, parlando di cuore, parlando di cuore, è chiaro che poi si deve parlare appunto di sentimenti, di emozioni. E come dicevo prima, in questo romanzo di emozioni ce ne sono tante, moltissime. Se a Nascita di un ponte si poteva fare la critica, o comunque sottolineare che in fondo restava magari un romanzo un po' freddo, dominato dalla tecnica, dominato appunto dall'ingegneria, eccetera. Qui invece le emozioni sono veramente molto forti. E ci sono tante forme di relazioni sentimentali. Da un certo punto di vista è perfino un romanzo che si potrebbe leggere come una sorta di catalogo delle possibili relazioni sentimentali, cioè ci sono emotive, le relazioni genitori-figli, le relazioni tra i fidanzati, le relazioni, no? Oui, c'est tout assez vrai. D'ailleurs, c'est un livre où l'amour finalement est central, l'amour sous toutes ses formes, l'amour sous toutes ses dans une espèce de typologie. Déjà, il y a cette espèce de le livre on arrive très vite en fait après l'accident de Simon, ce jeune surfeur, dans l'appartement familial, et en fait on est face immédiatement à la mère et à cette espèce de terreur
qui se raccorde toujours à l'amour filial, dans la mesure où, finalement, on peut se dire presque avoir des enfants, c'est presque se mettre en état de peur permanent. Donc là, cette femme, Marianne, elle a immédiatement peur. On sent immédiatement voilà, cette espèce d'amour qui la lie à sa petite fille, mais surtout, évidemment, à Simon. Il y a aussi, évidemment, les rapports entre les parents, qui sont des gens... en fait, qui ont une relation sentimentale assez complexe. Moi, à mon avis, ce sont des gens qui sont... Il y a toujours de l'amour entre eux. Néanmoins, un homme et une femme qui vivent séparés, parce que parfois, bien que l'on s'aime, on ne peut pas vivre ensemble. Enfin, il y a une relation comme ça, dont l'amour n'est plus exclu, mais en même temps, la vie est impossible. Et il y a aussi l'amour de Juliette pour Simon. Alors là, c'est plutôt effectivement le premier amour, hein, c'est-à-dire c'est... Les premiers élancements de l'amour, c'est plutôt l'espèce d'amour adolescent. On est évidemment dans le geste spontané. La giovinezza dell'amore. Oui, la jeunesse de l'amour. Le tout premier temps, le premier baiser. Et d'ailleurs, la scène qui porte un petit peu ce sentiment-là, elle a été construite comme une espèce de contenant d'ailleurs, c'est une seule phrase qui court sur quatre pages ou quatre ou cinq et qui résume une espèce d'alvéole à l'intérieur duquel on voit ce garçon et cette fille se parler pour la première fois et avoir cette espèce d'échange, lui prend son vélo, elle prend le funiculaire et finalement ils vont s'embrasser à la fin. Il y a une espèce de marche comme ça vers le premier baiser qui est comme un contenant et on voit bien que ça va... Cette histoire-là, elle remplit déjà le cœur de Simon qui va être transféré. Et il y a évidemment l'amour que Claire porte à ses enfants, et il y a l'amour de Cordélia, possiblement, ou en tout cas cette espèce de passion sexuelle qui l'anime pour cet homme qui la visite, qu'elle revoit de temps en temps. Donc effectivement, il y a des tas de façons de s'aimer dans ce livre. Hein. Et pour moi, c'est un livre un peu qui est aussi un roman d'amour, quelque part. C'è perfino l'amour proprio di Arang, il medico che fa il trapianto. Oui. Come si appelle déjà? Arfang, pardon. Arfang, oui. Arfang, ouais. Là, c'è una forma, l'amore di se stessi. Oui, oui. Oui, oui. Il est dans une espèce d'amour de soi, il est dans une espèce de... Alors, qui n'est pas du narcissisme, mais qui est plutôt une espèce de glorification permanente. Enfin, c'est un homme qui est totalement en raccordé, connecté en permanence à son travail. Il y a une situation aussi de pouvoir qu'il a dans le bloc opératoire. Et je dirais surtout qu'il est dans cette espèce d'atavisme familial, cette passion pour la réparation des corps, etc., qui fait qu'effectivement, il a une espèce d'amour propre qui se forme. Mais Virgilio aussi a un amour propre. Virgilio, il est porté par l'ambition, il est porté... C'est son premier cœur, il transporte son premier corps. Il est le chirurgien junior qui va rapporter le cœur au bloc qui a été le prélevé, qui va le rapporter au bloc comme on rapporte finalement, comme un chasseur rapporte sa prise au pied de son maître. Et donc il y a finalement des sentiments comme ça qui croisent en permanence, comme si d'ailleurs le livre était un espèce de gigantesque circuit, une espèce de mise en réseau de toutes les façons d'aimer, de s'aimer, comme Fabio le disait. Si parla di dono, di generosità, di altruismo, di deprivatizzazione, di corpo collettivo. Teoricamente si potrebbe dire che una delle cose più belle del mondo è chiunque dovrebbe essere in qualche modo d'accordo. E invece poi, al momento di scegliere, di decidere, quando dei genitori, dei fratelli, dei parenti, degli amici si trovano a dover dare l'autorizzazione all'espianto e quindi al trapianto, in realtà poi c'è molta paura e molta resistenza. Perché c'è ancora tutta questa paura? Mm-hmm. Allora, je pense que cette peur, d'après ce que j'ai compris en travaillant sur ce livre, elle est liée à deux choses. La peur, elle est liée explicitement, à mon avis, à la nature extrêmement ambiguë de la mort encéphalique. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en état de mort cérébrale, je rentre un peu dans les détails, mais c'est une manière d'être précise. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en état de mort cérébrale, il n'a pas d'aspect cadavérique, c'est-à-dire... il n'est pas raide, jaune, etc. Il a l'air tout simplement d'être
comme un dormeur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des vers de Rimbaud du dormeur Duval qui rentrent dans le texte. C'est quelqu'un qui dort, en fait. Il n'a pas d'aspect, il n'a pas l'aspect d'un mort. Et du coup, c'est assez troublant, c'est extrêmement violent pour les proches de regarder, de s'approcher du corps de la personne qu'ils aiment parfois le plus au monde et de voir peut-être qu'elle respire, que du souffle sort de sa bouche, etc. Et il est mort, mais pourtant il n'a pas du tout l'aspect d'un mort, voire même son corps contredit l'aspect cadavérique, contredit l'aspect de la mort. Simon, il est rose, il est pas froid, enfin voilà. Et la deuxième chose, je pense que c'est ce qui fait extrêmement peur, ce sont les représentations liées au prélèvement. C'est-à-dire que le prélèvement, c'est donc cette opération qui consiste à venir prélever un organe dans le corps du donneur. Dans le cas de Simon, c'est donc un multi-prélèvement. Il y a 5 ou 6 équipes qui arrivent et qui vont prendre chacun leur organe. Là, il faut bien voir que c'est quand même un moment de dissection, où le corps est ouvert, ce qui est extrêmement transgressif depuis longtemps. Donc, il est ouvert, il est dispersé, il est morcelé, il est disséqué. C'est quand même extrêmement violent et évidemment, c'est aussi, on porte atteinte à l'intégrité du corps humain, l'intégrité de... En fait, on le disperse, on le morcelle. Et je pense que, pour des tas de raisons, cette vision d'un corps humain morcelé est quelque chose extrêmement difficile à affronter. Il y a des cas où des personnes ne peuvent pas s'y résoudre parce que dans leur idée, ce serait comme faire mourir une seconde fois la personne qui est morte. Et je pense que c'est compliqué d'aller au-delà de cette représentation. Mmh.